Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo plutôt rapide, je vous ai fait un maquillage les plus simples possible avec presque rien au niveau des yeux, le teint, je l'ai travaillé mais j'ai tout simplement camouflé quelques petites imperfections, etc. J'ai voulu faire quelque chose de vraiment très très simple et quelque chose de plutôt rapide, voilà. Et je vous ai quand même incrusté de trop... J'allais dire 2-3 looks, non, seulement 2 looks. J'ai pris 2 basiques, donc un jean et un t-shirt. Et donc, je vous ai créé 2 petits looks avec. Un look qui est plutôt école et un look qui est plutôt taf. Que vous pouvez aussi porter au lycée, à la fac et tout ça et tout ça. Donc, j'espère vraiment que cette petite vidéo rapide vous plaira. Je vous fais d'énormes bisous. C'est la dernière vidéo back to school. On va passer à autre chose maintenant. Et donc, voilà. Et suivez cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous love. Bye bye. Je commence d'abord avec le complete cover Maximum Coverage 2 en 1 de chez Jordana. La teinte c'est la 11 Golden Toffee. Je vais l'appliquer sur quelques zones de mon visage, les zones les plus foncées, et je vais tapoter avec un pinceau de chez Zoeva qui est le 102 Lip Silk Finish pour couvrir les zones d'hyperpigmentation, les zones les plus foncées. Ensuite, je vais prendre ma poudre fond de teint, donc la Studio Fix NW43 de chez MAC, et je vais venir matifier tout mon visage. Il me reste encore quelques petites taches, c'est pas très grave, hein, on s'en fout. Ensuite, je vais prendre l'ami des filles qui ne savent pas appliquer de fard à paupières, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est le Color Tattoo de chez Maybelline, la teinte c'est la 70 métallique pomme grenade. Voilà, je l'ai appliqué sur toute ma paupière mobile. Vous pouvez très bien rester comme ça et estomper un tout petit peu. Moi je vais prendre ma... J'ai pris, pardon, ma Queen, Cover Queen. J'en ai mis un petit peu pour réchauffer un peu, pour faire ma couleur de transition. Et puis là, je suis en train de terminer avec le Studio Fix N58, NW58, qui est très très foncé. Et du coup, j'ai un peu... comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? J'ai intensifié un petit peu la transition, quoi. On liner de tous les temps, mon liner toute ma vie. Non, ouais, c'est le meilleur liner que j'ai pu tester, donc c'est le The Real Shop de Benefit. Et je vais faire un trait plutôt fin aujourd'hui. Voilà. Ensuite, je prends le mascara volume 1 seconde de chez Bourjois, qui est vraiment mais génial. Je suis choquée, regardez par vous-même, quoi. Depuis que je l'ai jamais calculé en fait. Je l'ai jamais calculé. Et en fait, il a l'air pas mal. Il faut que je prenne le temps vraiment de le travailler. Mais déjà du premier coup là, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais en mettre que sur mes cils du haut. Comme vous savez, j'aime pas trop maquiller les yeux, les cils du bas et tout. Je trouve ça sexy comme ça. Et puis ensuite, je vais venir faire un léger contour. Je vais contourer mon visage avec la CoverGirl. Donc la collection Cover Queen, hein, vous connaissez, Ebony Bronze. Je vais contourer mon visage, réchauffer un peu mon visage pour pas que ce soit trop pâle. Voilà, on réchauffe un peu, on contoure un peu, on fait quelques petites rangements, quoi. Hein? Hein? Ensuite, je vais prendre mon blush Fever de chez MAC, qui est juste magnifique. C'est mon blush favori en ce moment. Vous le verrez dans les favoris, sûrement, il est top et j'en ai mis à excès parce que je le kiffe. Ensuite, je vais prendre... un highlighter, donc le Star Powder Marilyn de chez Gérard Cosmétiques. J'en ai mis, vraiment, c'est tellement beau. Puis ça va réveiller le teint et j'adore, quoi. Et puis pour mes lèvres, je prends un crayon que vous achetez au marché, tout simplement. Voilà, je contourne mes lèvres et je viens de terminer avec un gloss de chez Bourjois, l'effet 3D. J'ai mis un tout petit peu de Gérard Cosmétiques, donc le Marilyn en coin interne de l'œil. Et puis voilà les filles, le look est terminé. Un look plutôt simple, assez lumineux, facile à reproduire, rapidos. Et voilà, passons maintenant au look. Down.
satisfied.